cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savat. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savat in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who train in the noble art of French foot fighting Savat understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savat's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savat as told by its professors. Nous sommes arrivés rue des Martyrs, dans le quartier de Montmartre. Et là, nous allons essayer d'aller à la recherche de la salle, du club, peut-être de la maison où Joseph Charlemont enseignait la savate, à la recherche d'une adresse encore un peu inconnue. Nous allons essayer de trouver la porte. Right now, we're searching in rue de Martyrs, which is the school of Joseph Charlemont. The one that codified Boxe Francis Savat back in the 1860s, 1870s. So we're going to be looking for the first school of him. We're going to see where it was located. And you can see the energy, the vibrant life that's in this section of Paris known as Montmartre, the Quartier de Montmartre. And really hasn't changed much from those days to now. So right now we're going to continue going on with Professor Agnes Becklin, and we're going to see if we can find the address of the first school of Joseph Charlemont. Oui, très intéressant. Ouais. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de la rue des Martyrs. Nous avons rien. Right now we're in Rue Beaufort on the 9th district or 9th quartier of Paris, looking for the first school of Savat, the one that was opened up in 1803 from Michel Cassou, de Pissou. You can tell its elegance, that aristocratic gentleness of the area, the back alley brutality that this art is known for, and why it was developed. So Professor Agnes Becklin and I are going to be looking for that. Donc là, nous avons une forte chance de trouver la salle de Michel Casseux, car rue Buffault, il y a encore actuellement une salle de boxe qui sert plus à la boxe anglaise qu'à la boxe française. Mais il y a un club, c'est certain. Donc je suis optimiste. Je crois que nous allons trouver la salle de Michel Casseux. I'm happy to see that we still have pugilism on this street, the street where the first seeds of Savat were grown in. Oui, on a trouvé une salle, rue Buffault, salle de boxe, où il y a en plus des clubs de boxe française. Et là, aujourd'hui, c'est le week-end, il n'y a pas d'entraînement. Nous allons essayer d'aller voir un petit peu plus loin dans la rue Buffault. Peut-être qu'il y a une autre adresse encore inconnue. The address is 10 rue Buffault, so we're at 21. So we're going to continue down the street to take and see where it actually started. Tabac, c'est un bar, un restaurant, pardon. Oui. À l'époque, c'était souvent dans les cafés. Au fond, c'est peut-être c'est l'entrée après dans les cafés. Les... We have finally found the legendary school of Michel Cassou, rue Beaufort. C'est l'école du commerçant de Savat.
Nous l'avons trouvé, en effet. Sûrement que à l'époque, c'était dans l'arrière-cour, il fallait rentrer, aller un petit peu à l'intérieur du bâtiment et s'entraîner dans l'arrière-cour ou dans l'arrière du café. Car c'était des fois un petit peu interdit de se battre, se cacher aussi pour essayer. En tout cas, nous avons trouvé l'adresse, 10 rue Buffon. So we found the first school where Savat was taught to open to the public. For Michel Cassou, D.P. Sou, Rue Buffon, 10. So it's nice to see that it's still alive, but it's sad to see that there's no dedication to a place where a martial art that touched the world started. We'll continue. Souvent des films sont tournés parce que c'est très caractéristique. Right now, Professor Agnes and I are looking inside the Passage de Panorama, which is a school where Charles Lafour gave classes, taught Boxe Française Savate and developed une encore Boxe Française Savate. Donc nous avons enfin trouvé le passage des panoramas qui est caché dans les grandes rues de Paris. Et nous allons essayer de trouver maintenant l'adresse de la salle de Monsieur Charles Lecour. Il y a des numéros. Nous sommes bien pénétrés dans le passage des panoramas, ça y est, nous y sommes, avec l'esprit 19e. On trouve l'architecture de l'époque, notamment pour les toitures. Et donc, nous avons cherché ce fameux numéro 27. Malheureusement, il s'arrête au numéro 25. Il semblerait que les travaux ont été faits. Mais l'ambiance y est, c'est vraiment ce qui devait se passer à l'époque dans ces différents passages. We're looking for the school of Charles Lecour, another legend, another maître of Savate. This school was opened from 1830 to 1870, and it was in the 27th Rue de Passage de Panorama. We have found the place, we have talked to several merchants, and they have told us that half of this sector from the 27th onward was bombed away during World War II. So you can see that right here, the architecture, because you see the old architecture, old Parisian architecture to my left, and to my right you see the new architecture, probably from 1950s. It is sad that it's no longer here, but I'm happy to see that the spirit of the type of individuals that used to frequent this school are still exist. You know, people like Alexander Dumas, Théophile Gautier, Victor Hugo, Balzac. There's a lot of people that came here that had that nobility that made the French Parisian spirit of that time, and also lended to the formation of Boxe Française. Many people do not understand that Boxe Française was really not the name. It was called Paris, Adresse Parisienne. And Adresse Parisienne was a name before Boxe Française. And the one that named it was Théophile Gautier. And he named it Boxe Française. And now you can imagine, as we look down this hall, the type of person, the type of spirit, that bohemian attitude that still exists. Nous soupçonnons que ce soit bien ici l'ancienne salle de Charles Lecour, puisque le terme coinston veut dire endroit dangereux.
coin dangereux. Et donc, là où il y avait des endroits pour s'entraîner à boxer, on se sentait peut-être à l'abri, on venait apprendre à boxer dans ces coins dangereux pour s'encanailler, comme disaient les auteurs comme Edgar Poe. James Bond est anglais. Bonjour, donc je m'appelle Agnès Paquelin. Je suis enseignante en éducation physique et sportive dans les collèges, les lycées et maintenant à l'université. J'ai commencé la boxe française à l'université quand j'étais étudiante à l'âge de 18 ans. Je faisais avant de l'athlétisme et cette activité m'a attirée par son côté esthétique. Maintenant, j'enseigne la boxe française à des étudiants. Et puis j'espère que eux aussi aiment ce côté esthétique. Par ailleurs, en boxe française, j'ai été compétitrice. Malheureusement, je n'étais que vice-championne de France. Et puis j'ai aussi travaillé pour la fédération. J'ai été élue et j'étais arbitre et juge international. Grande expérience, forte, intéressante et très enrichissante. Pourquoi je fais la savate ? Au début, parce que c'était obligatoire dans mes études. Donc je ne choisissais pas. Et après, parce que j'ai trouvé que c'était un sport qui était élégant, notamment pour une fille. Et puis c'était un moyen de faire un sport de combat en assaut, sans être trop blessée, mais quand même s'affronter. C'est ce qui m'a plu. L'opposition et le côté artistique. Alors, j'ai commencé la boxe française à Grenoble avec Christian Lalès. Et puis lorsque j'ai eu mon concours, je suis venue travailler à Paris. Et là, je suis allée chez Robert Paturel, qui a été mon deuxième professeur et qui reste aussi un très très bon ami. Et j'ai appris beaucoup de choses parce que Robert était en même temps compétiteur. Donc Christian Lalès était mon formateur, avant tout un entraîneur. Et Robert a été et un entraîneur et un conseiller par rapport à ses expériences de compétition. Alors bon, bien sûr, je suis une fan de Robert Paturel, mais qui n'aime pas Robert Paturel à la fois dans son style de boxe, dans sa manière d'enseigner, dans son humour et dans son contact avec les gens. Donc c'était deux démarches différentes. Avec Christian, j'étais encore jeune étudiante, donc j'écoutais vraiment tout ce qu'il me disait, j'étais en phase d'apprentissage. Avec Robert, étant un peu plus mûre, il y a eu de réels échanges et une vraie analyse de l'activité, car Robert est très pertinent sur l'analyse, la compréhension de l'activité. Et ça, il me l'a transmis pour moi maintenant devenir enseignante. Donc j'avoue que c'est quelqu'un que j'admire. Alors là, moi, je t'avouerai que j'ai du mal des fois à faire la différence entre les deux parce que mon époque, c'est pieds-poings. Moi, j'ai connu l'activité en 1904. J'étais compétitrice dans la fin des années 80, 80 et début 90. Donc, j'ai connu forcément pied-point. Je n'ai pas connu cette dissidence où on avait utilisé que les coups de pied et pas du tout les coups de poing. Donc, moi, je ne fais pas de différence parce que je ne l'ai pas connue, en fait, cette différence. Alors que des gens comme Bernard Leprévost ont connu vraiment cette différence et Robert Paturel aussi parce que je crois qu'il y avait un frère en savate et un frère en boxe française. Mais pour moi, ça s'appelle boxe française savate. C'est une même entité. Je ne fais pas cette différence, on va dire, historique, parce que je ne l'ai pas vécu. C'est vrai qu'on a la savate mérite d'avoir beaucoup plus de succès. Je pense qu'une des raisons, c'est le non-professionnalisme. C'est le maintien dans l'amateurisme, encore plus maintenant au 21e siècle. Les gens, ils veulent gagner de l'argent dans du sport. Et c'est vrai qu'on reste encore dans ce cadre amateur. Je pense que c'est un handicap. Moi, je trouve ça bien de faire du sport pour du sport, mais je pense que pour le développement, ça devient un handicap. Tradition historique, on va dire. Je pense qu'il y a tellement d'autres sports qui sont très, très, très médiatisés. Au-dehors des sports de combat, les gens ne viennent pas vers nous. Et puis, il y a la grosse concurrence des MMA, où il n'y a pas de règles finalement. Nous, on est un sport très codifié. Et parfois, les gens, ils n'en veulent plus de ces règles. Ils ne comprennent pas que c'est aussi un mode de fonctionnement. Donc, je pense que c'est lié à ça. En même temps, et en parallèle,
L'activité s'est développée aussi parce que les filles maintenant font aussi du combat, ce qui n'existait pas avant. Et les garçons, à haut niveau, font de l'assaut, ce qui n'existait pas avant. On est quand même autour des 60 000 licenciés en France, mais on n'arrive pas à percer autant que ça, ni en France, ni au plan international. Même si les pays de l'Est sont assez porteurs et s'intéressent à notre activité. Mais je pense qu'un des handicaps, c'est, je pense malheureusement, ce phénomène d'argent.